Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de comment vont les poneys et moi. Car oui, vous avez sûrement dû constater une très grande inactivité sur YouTube de ma part. Beaucoup de raisons à cela, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me mets face caméra pour tout vous expliquer, donc c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai une très grosse perte de motivation à faire des vidéos, beaucoup de raisons à cela. La première, et je pense que c'est celle qui pèse lourd, c'est tout simplement qu'à force de me regarder sur mes vidéos, je constate que je ne me plais pas en fait. Tout simplement parce que je ne montre pas ma vraie personnalité. Comment vous expliquer ça? En réalité, je suis une personne qui est très active, qui est une pile électrique, qui parle vraiment très vite et qui sort des conneries à longueur de journée. Et c'est ça que j'aime dans ma personnalité, c'est que je prends la vie... pas à la légère, mais j'essaie de toujours être joyeuse, de toujours faire rire les gens. Et je constate que sur mes vidéos, je suis un peu trop sérieuse. Je me renferme un peu trop sur ma façon d'être pour ne pas montrer parce que j'ai peur des avis des autres. Mais en fin de compte, je me rends compte, à force, mes vidéos ne me plaisent plus parce que du coup, je ne suis pas moi-même. Et je pense que c'est ça qui pèse lourd de pourquoi je ne fais plus beaucoup de vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de changer ça. J'ai envie de pouvoir me montrer librement et mettre de côté les avis des autres. Parce que personnellement, je pense que vous m'apprécierez plus si je suis moi-même que plutôt que je fasse un sorte de personnage pour toujours paraître parfaite, être dans l'idéal. Or, moi, ça me convient pas en fin de compte. Là, vous avez pu constater que je baisse mes vidéos parce que j'ai plus de motivation. C'est surtout à cause de ça. Après, je me dis, je ne suis pas vulgaire, hein. Il faut pas comprendre ça comme quoi quand je dis que je sors des conneries, que je suis vulgaire, que je parle mal. Non, du tout, mais je suis plutôt, marrante, je divertis les gens, mais pas, je suis pas le clown non plus. Mais je me rends compte qu'à travers mes vidéos, c'est pas du tout ça, que je parle beaucoup plus lentement que comme je parle dans la vie de tous les jours. J'en avais parlé avec une amie à moi et certes, oui, on a pu avoir le même constat que je ne suis pas totalement moi-même et c'est ce qui me manque du coup. Et je pense que mes vidéos seraient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus divertissantes si j'étais moi-même. Une autre chose de pourquoi je ne fais plus de vidéos, c'est également le temps. Vous allez me dire, tu te fous de nous, Océane? Aujourd'hui, il fait beau depuis 2 semaines. Oui, il fait beau depuis 2 semaines, mais ça ne fait pas depuis 2 semaines que je ne fais plus de vidéos. Il y a eu vraiment un temps merdique en Lorraine, c'est vraiment catastrophique, je ne supporte plus l'hiver, je crois que c'est la période que je déteste le plus au monde. Les terrains sont devenus de nouveau inaccessibles, les poneys dans un sale état à cause de la boue, et du coup je n'allais pas sortir la caméra que je viens de payer 500 balles pour qu'elle soit bousillée en 2 secondes. Donc non, voilà, j'ai préféré ne plus faire de vidéos. Et personnellement, malgré que j'ai fait des facecam quand il y avait 16, c'est pas vraiment un truc que je préfère. Je n'aime pas vraiment les tags, les trucs comme ça. Mais bon, je voulais vraiment vous faire plaisir pour revenir sur YouTube. Mais en fin de compte, voilà, c'était pas forcément les vidéos qui m'intéressent le plus et que j'aime faire au final. Mais voilà, le temps a beaucoup joué et... ça me rendait mal, j'étais pas bien, j'étais pas moi-même et du coup j'étais caractérielle. Et du coup, pas envie de faire de vidéo. Limite, je préférais me faire chier sur mon canapé plutôt qu'essayer de faire une vidéo. Voilà. Mais du coup, voilà, le temps, comme l'année dernière et comme chaque année, je pense que ça va faire. Je ne faisais pas de vidéo et là, vu qu'il fait beau depuis 2 semaines et que ça continue, je vais reprendre un peu. Aussi, il faut savoir que je suis en BTS et que j'arrive vers le terme de mon BTS qui veut dire les examens. Donc, malgré que je ne travaille pas plus que d'habitude, ça me stresse quand même un peu parce que voilà, j'aimerais bien avoir mon BTS, avoir une bonne note à mon BTS et du coup, ça me prend un peu de temps, limite, voilà, j'essaie de pas trop faire autre chose pour toujours garder la tête dans les études. Et c'est vrai que faire trop de vidéos, ça me concentre à être sur mon ordinateur et non pas sur mes cours. Après, ma foi, j'ai envie de vous dire que les révisions, c'est pas ça que je vais faire le plus. Donc je pense que malgré ce que je viens de vous dire, je vais quand même essayer de faire plus de vidéos, changer un peu les idées. Mais voilà, faut quand même que je reste dans mon cadre scolaire. Et voilà, c'est aussi une raison que là, j'arrive vraiment, on est en février, mon examen est en mai, donc dans 3 mois, sachant qu'on a quand même des vacances encore, j'ai les vacances d'avril,
Donc voilà, et actuellement je suis en stage, du coup, quoique quand vous allez voir ma vidéo, c'est le dernier jour de mon stage, mais j'étais en stage pendant 2 semaines, et du coup, vu que je suis dans le commerce, j'ai que des jours de repos le jeudi, et je travaille le samedi, donc les jours où je pouvais faire des belles vidéos, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais au travail, et quand je quittais le boulot, c'était vers 18h, donc 18h il fait déjà plus jour, donc ça ne servait plus à rien. Donc voilà aussi une raison. Et je pense que c'est les raisons principales de pourquoi je ne fais plus de vidéos. Et du coup, on va arrêter de parler de ça parce que je vais enfin revenir. Parce que là, il fait beau, je suis de nouveau de bonne humeur. Ça me fait de nouveau plaisir d'aller m'occuper de mes loulous. Et du coup, voilà. Les vidéos vont reprendre. J'ai plusieurs idées qui me viennent en tête. J'espère pouvoir les mettre en place. Et j'espère que du coup, ça vous fait plaisir que je revienne. Hein, voilà. Mais maintenant, on va arrêter de parler de ça et on va parler de comment vont les loulous. Je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus dans cette vidéo. Donc, en globalité, les loulous vont très bien. Ils supportent plutôt bien l'hiver. Je suis très contente, surtout par rapport à Gossip, parce que j'arrive enfin à la maintenir au niveau de son poids. La louloute est vraiment magnifique actuellement. On ne sent plus ses côtes. Elle est parfaite. Elle n'est pas grosse. Elle n'est pas maigre. Elle a un super poil d'hiver. Elle a une très bonne bouille. Donc, je vois qu'elle est en parfaite santé. Son poil brille et tout. Donc, je suis super contente parce que j'ai galéré pendant 2 ans, 2 hivers à la maintenir alors qu'elle me chopait toujours quelque chose. Pour Bébao, ça ne change pas, le gros lard reste gros, se nourrit très bien, vit très bien sa vie en hiver, il est content parce que je lui fous la paix. Quoique niveau caractère, en hiver, tout le monde est un peu agacé par le froid parce qu'on a, c'est pas bien, c'est pas un temps qu'on aime. L'humidité, la pluie tous les jours, ça c'est ce qui les gave, donc je pense que tout le monde avait un caractère de cochon à ce moment-là, mais avec les beaux temps, tout rentre dans l'ordre. Et du coup, la seule qui, entre guillemets, n'est pas au top, c'est Golden. Chaque année, c'est toujours un nouveau poney. À chaque fois que j'en ramène un à la maison, les autres vont bien, mais c'est le nouveau qui va pas bien. Bon, après, elle ne va pas bien dans le sens où elle a perdu du poids. Or, je ne comprends pas pourquoi elle a perdu du poids, car pourtant, je la nourris de la même façon que Gossip, alors que Gossip avait également des difficultés à grossir. Gossip a réussi, mais pas Golden. Après, Golden ne paraît pas malade. Elle paraît maigrichonne, mais quand je regarde, elle est pleine d'énergie. Elle mange quand je lui donne ses granulés. Elle a un poil qui reste brillant, donc je ne comprends pas. Après, je pense qu'il y a peut-être un truc qui pourrait faire changer la donne, c'est tout simplement que Golden a perdu des dents. Et du coup, ses 2 dents de devant sont en train de repousser, mais actuellement, ils sont à la même hauteur que son palais. Est-ce que c'est ça qui l'empêche de manger correctement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les dents? Je ne pense pas, parce que après, elle mange correctement, quoi. Elle a pas mal, elle ne refuse pas de manger. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est du coup l'adaptation dans son nouvel environnement, parce que c'est son premier hiver à la maison? Donc, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas l'habitude? Parce que j'ai constaté que Gossip, ça fait 2 hivers qu'elle nous a fait des frayeurs, et que cette année ça va nickel. Est-ce que c'est juste un temps d'adaptation pour qu'elle se sente bien, que du coup son corps se développe correctement? Je sais pas du tout, mais après elle paraît pas malade, donc je ne sais pas. Là, je vais commencer à mettre un peu plus des protéines dans sa nourriture afin de la renforcer, mais elle paraît pas si malade que ça en fait. On voit qu'elle est maigrichonne, mais sans plus. Du coup, voilà, vous avez vu qu'avec les loulous, ça va plutôt bien. Là, avec les beaux temps, c'est déjà beaucoup plus agréable d'aller s'en occuper. Parce que quand il y avait de la boue, les loulous étaient blindés de boue. Hein. C'est comme ça chaque hiver. Et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Là, il y a des nouvelles choses qui vont se faire. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais voilà, tout le monde va bien. Bon, après, dans la globalité, ça va. Si on met de côté tous les problèmes, ça va. Donc voilà, sinon tout le monde va bien. Niveau poids, tout le monde va bien, mis à part Golden. Niveau caractère, tout le monde va bien, malgré que le mauvais temps nous a donné, nous rendait de mauvais poils. Hein. Mais voilà, tout le monde va bien et je suis très contente de vous retrouver. Et vous m'avez manqué. Voilà, je vais pas vous mentir, vous me manquez beaucoup. Et c'est mercredi. Quand j'étais au travail, j'ai une abonnée qui est venue me voir. Si tu regardes cette vidéo, ça m'a fait très plaisir que tu viennes me voir. Et à ce moment-là, en fait, je crois que ce plaisir de vous partager des moments avec vous, ça m'avait manqué, ça m'a fait un petit coup au cœur. Et une fois qu'elle était partie, j'avais le grand sourire, elle m'avait refait la journée.
Et ouais, je pense que vous êtes très important pour moi et ne pas faire de vidéo, bah non, c'est, voilà, c'est pas bien. Vous faites beaucoup de choses pour moi, vous m'avez permis de faire beaucoup de choses dans ma vie grâce à YouTube. Donc je ne peux pas ne pas faire de vidéo et je pense que ça m'a reboosté, le beau temps m'a reboosté. Donc là je suis au taquet. Donc voilà, j'espère que du coup, bah, vous allez voir qu'il y aura peut-être des changements dans mes vidéos parce que mes vidéos ne me plaisent plus par rapport à comment j'étais. Mais voilà, j'espère tout de même que la vraie Océane vous plaira, ma façon d'être ne vous dérangera pas. Après si elle vous dérange, bah... tant pis, hein, je vais pas non plus m'empêcher d'être moi-même parce que là je me suis empêchée pendant presque 3 ans d'être totalement moi-même, du coup ça me plaît plus et 2019 sera une nouvelle année de changement et voilà. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, salut!